Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est avec The Blade Cat et vous n'avez rien vu car j'enchaîne direct, hein, écoutez. Oui non mais je m'en fous des didacticiels, je sais comment ouvrir un parachute. Bienvenue pour ce nouvel épisode du playthrough sur Far Cry 3. Et dans cet épisode on va continuer la mission, enfin on va débuter un nouveau chapitre. Tout d'abord en tuant ces pirates avec l'aide de notre ami Tigrou. Voilà. Et j'ai plus de munitions. Voilà, c'est bien là comme ça. Tigrou va charger tout. Et comme ça après on pourra passer. Tac. Il est efficace hein, vous avez vu? Attendez, je vais sortir l'appareil photo pour que vous voyez mieux. Oula. Ouais, là par contre ils m'ont vu. Ouais, il y en a encore un bon paquet. Je crois qu'on va devoir s'en refarcir quelques-uns. Parce que Tigrou, il va pas y arriver. Ah, il se débrouille bien. Hein. Vas-y Tigrou, on est tous avec toi. Oh la vache. Oh le mec. Oh, oh vous avez vu ça? Le mec il vole. Et là il est en plein bug là. Oh c'est génial là, ces bugs comme ça là. Waouh. Bon, ben voilà, ça c'est fait. On a un mec qui est mort et qui est en train de faire je sais pas quoi là. Tigrou, merci de m'avoir aidé. Hein, on va se quitter en bon terme. Je vais prendre le camion puis je vais me tailler. Ok. Allez, salut mon pote. Hop là. Et ça commence par un accident. Bah oui, comme d'habitude avec moi. Où on est là? Parce que on a parcouru un grand chemin avec l'autre là et son avion. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce qu'on est. Ah d'accord, on est... Ah, on est sur une autre île. Si j'ai bien compris. Ah ouais, on est à l'autre bout de la map quoi. Ouais, parce que l'archipel c'est deux grosses îles, si j'ai bien compris. Et là on est sur Rook Island Sud. Ok. C'est qui ce mec? Enfin c'est quoi? Ah c'est une ville. Super. Le dubstep c'est une musique de vilain. Ah bon? Ils écoutent du Skrillex alors? oui, transport, parachute, je sais, hein. Ouais, faut pas les confondre avec celle de provision. En même temps, c'est dur, hein, de confondre ça. les reliques, bah, je les avais toutes trouvées. Ah, j'ai trouvé la première relique. Wow. Quel exploit. Oui, bah, c'est bon, hein. Sinon oui j'avais une nouvelle compétence, on va la mettre là-dedans, tiens ça va être rigolo. À moins j'hésite avec ça. Ouais non on va faire tireur de extrême, comme ça on va tirer avec notre flingue en utilisant les tyroliennes, ça va être cool. On va s'éclater. Bon je suis arrivé à destination. J'espère qu'il n'y a pas de méchants. Bonjour monsieur. On va aller ici, tiens. Hey, retourne là-bas. C'est quoi ton problème? On va acheter des munitions. Non, je veux pas vendre. Je veux acheter des munitions, j'ai dit. Munitions armes de points pour commencer. Tac. Munitions mitraillettes. Munitions fusil d'assaut parce que j'en ai plus. Et des grenades parce que j'en ai plus non plus.
petite grenade. Ça suffira. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Je vais t'en coller une si tu... Y a un problème? Imbécile. Eh hey, oh! T'as de la chance que je peux pas utiliser mes armes, hein, parce que sinon t'aurais morflé. Quitte à me coltiner tous tes potes là, j'en ai rien à foutre. Bon, on va voir machin là. Nom de Dieu, Crazy Cock existe. Par où qu'on rentre dans ce taudis? Allez. Non, c'est pas par là. Putain, il y a un mec complètement torché juste devant. C'est où l'entrée, les gens? Punaise. Quand même pas galérer à rentrer dans un pauvre bâtiment à la con. C'est ici. Allez. Salut barman, une limonade s'il te plaît. Salut. Salut. Bière? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam. Je connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire éviter. Tes conseils, je m'en beurre l'arrêt. Oh. Alors, faut que je trouve Sam. Toi, tu saurais pas où il est? Où est-ce que tu vas? Jouer au poker, ça pose un problème? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça coûte combien? C'est bon. Allez, entre. Merci, trop du... On va se remettre au poker. Je perds. Ah la vache, vu comment je m'étais débrouillé la dernière fois, là, ça promet. Vilcommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. M'en fous, j'ai du fric. Alors. Waouh, la carte lévite. Sur ce coup-là, je me couche. Déjà? Je vais suivre. Je vais suivre. Moi aussi, je suivrai. Hein. J'ai quoi? Oh. Check. Ouais, bah ouais. On va tenter, hein. Je check. Je relance. Je vais relancer. Tac. Dans vos gueules. Je suis. J'ai une paire. Je check. Parole. Je vais checker. Je savais même pas qu'on pouvait dire check et tout ça. Je relance de 5. Engraisser le pot. Je suis. Alors, j'ai gagné ou j'ai perdu? Merde. Ouais, j'ai gagné. Mais c'est cool, ça. J'ai jamais eu autant de chance. Ah, c'est vrai qu'il y a LED. Avec mage.
Sympa l'aide. Ouh, double roi. Pas mal ça. Il siffle l'hymne. Bon, cette partie m'emmerde. Ah, c'est lui. Terminé pour ce soir. Quoi, c'est lui, Sam. Tu veux que je continue à jouer, Carl? On devrait monter les enjeux, alors. Non, non, Sam. Je disais ça comme ça. C'est lui. Moi aussi, j'arrête. Voilà. On ne rembourse pas. J'ai gagné. Mais j'ai gagné. C'est bon. Tu vas pas me faire chier, toi. Ah. Bon. Ouais, ils ont disparu, vous avez vu? Maintenant, faut que j'aille là. Hey, Sam, t'es où? Hey, Sam. Hey, Sam, t'es où, hey? Hey, oh. Pour qui est-ce que tu travailles? Pour Willis. C'est Willis qui m'envoie. Willis m'envoie. Et comment il va? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il s'est barré. Il va bien. Enfin, je crois. Lars. Mais dis-lui qu'il s'est barré. Si tu dis. Où est-il parti? Putain, il a disparu. Bon bah tant pis, on a réussi. C'est pas grave. Ouais bah il est là-bas. Est-ce que je peux sauvegarder? On va aller voir ça. Auparavant on va explorer les alentours. Ouah, 3000 XP. Les mercenaires de Hoyt. Qu'est-ce qu'on me dit de beau sur eux? Ouais d'accord. Ils sont plus coriaces que les pirates de Vice, de Vas, pardon. Ouais. Je sens qu'on va galérer. 8 nouvelles armes disponibles à l'achat. Ouais. Ah ouais. Justement, je me plaignais qu'il n'y avait pas assez d'armes. Bah là, ça y est, il y en a. Oh, on va faire des emplettes, les gens. Et après, je pense qu'on se quittera là. Alors, qu'est-ce qu'on a de mieux? Ça, c'est quoi, ça? Le D50. Ah, ça ressemble au Desert Eagle. Enfin, au Deagle pour faire plus court. Là, ils ont encore fait plus court, ils ont mis D50. Ok, mitraillette. Qu'est-ce qu'on a de mieux? Ouais, bof. Ça, c'est le Vector, ça, ouais. Ça, c'est ce qu'on a utilisé contre Vas. Les pompeux. Le Spazouz. Ah, voilà une arme intéressante. Seulement, j'ai pas assez de fric. Fusil d'assaut. Le MS-16, on s'en fout. Le P416, on dirait une carabine M4. C'est la version moderne d'une arme classique. D'accord. Oh bah ça va, elle est presque abordable. Quand j'aurai de l'argent, je me la paierai pour remplacer celle-ci. Les snipes. Alors, est-ce que celle-là... Ouh. Ouh, le Barrett 50. Enfin, le Z93. C'est un calibre 50, donc ça c'est puissant ça, mais aussi très cher. Mitrailleuse légère. Ouais bon, ça c'est une batteuse quoi. Ouais. C'est... Elle ressemble au M249. Pas bon. Ouais bon, ça on a vu. Lanceur. Il n'y a rien de nouveau. Arme spéciale non plus. Consommable. Bon, ça c'est classique. Les cartes. D'accord. Bon bah les cartes on verra après. Hein. Je peux rien m'acheter pour le moment. Donc on va. Bah, on va vendre ce qui nous est inutile. 10$. C'est toujours ça de prix. Et bah sur ce, je vous laisse, hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve pour un prochain épisode. Allez, on va prendre l'air, hein, histoire de se quitter sur une bonne vue. Voilà, encore cette pauvre femme qui se fait agresser. Et bah voilà. Allez, à plus.